Là, il y a un gros problème. Je suis arrivée à Lyon, la porte était ouverte et je trouve pas mamie. Je vais fouiller un peu la maison pour voir si je la retrouve. Verity, contacte-moi si tu veux revoir ta grand-mère, signée Angela. Oh, là, il y a un fantôme, regardez. Les amis, c'est bon. Maintenant, on va continuer à retrouver ma mamie. J'arrive du courrier là. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? D'accord. Ah, que vois-je? Qu'est-ce que c'est que ce message? C'est incroyable ça. C'est bizarre. Angela. Mais jouez avec moi. Angela, mais je connais personne qui s'appelle Angela. Mais franchement, elle veut jouer avec moi, mais ça a pas de sens cette histoire. Bon, pour mon courrier. Alors, oui, d'accord. Il y a de nouveau un message, mais ça continue. Mais veut jouer avec moi, ça a pas de sens. Est-ce que j'ai un âge à jouer, hein, franchement? Parce que je suis la grand-mère de Verity. Ah, ça a un rapport avec Verity, je comprends mieux. Ah, d'accord. Non, mais elle m'embête. J'apprécie pas du tout ses méthodes. Mais ça, elle insiste en plus. Oh, mais alors, je trouve ça un peu exagéré, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci? Ah, non, ça me plaît pas du tout. C'est vraiment du harcèlement, c'est pas possible. Je vais appeler Verity pour la mettre au courant, parce que là, vraiment, j'apprécie pas. Je reçois sans arrêt des messages, je suis vraiment harcelée. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ça me plaît pas du tout. J'appelle Verity pour lui en parler. Allô, Verity? J'aimerais te parler de quelque chose d'important, qui me contrarie énormément. Je reçois des messages sans arrêt et c'est vraiment du harcèlement. Mais je ne peux pas t'en parler au téléphone. J'aimerais que tu viennes me voir demain à Lyon parce que je t'en parlerai mieux en étant en face de toi. Donc, je vais t'expliquer ce qui se passe et moi, ça me contrarie. Et vraiment, ça m'inquiète beaucoup. Je te dis à demain, Verity. J'espère que tu vas pouvoir venir. Au revoir, Verity. Elle continue à m'envoyer des messages. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ici, je suis dans la gare de Cornavin à Genève. Je vais être à Lyon pour retrouver ma mamie dans à peu près 2 heures. Ma mamie m'a appelé hier et elle m'a appelé d'urgence, donc j'espère qu'elle va bien. Parce que je sais toujours pas pourquoi elle m'a appelé, qu'est-ce qui s'est passé. Mais je vais prendre le train pour aller la retrouver. Ici, j'ai fait ma valise en 5 minutes. Là, il y a un petit sac pour mettre des chaussures parce qu'il fera chaud. Et me voici à la gare dans le train. Je suis prête pour aller rejoindre ma mamie. Je suis arrivée dans son quartier, là. J'espère qu'elle va bien. J'espère sérieusement qu'elle va très très bien. J'ai hâte de savoir ce qu'elle m'a dit, pourquoi elle voulait absolument que je vienne. Je croise les doigts parce que j'aimerais très vraiment qu'elle aille bien. On est
au bon étage là. D'accord, nous sommes pas au bon étage. Nous sommes arrivés. La porte était ouverte et je trouve pas mamie. Je vais fouiller un peu la maison pour voir si je la retrouve. Ici. Tout a l'air normal. Mais je comprends pas pourquoi mamie n'est pas là. Et rien ne s'est passé. Son café est sur la table. Il est encore chaud? J'ai l'impression qu'elle était là il n'y a pas longtemps. Tout ça, c'est trop bizarre. Peut-être dans son bureau. Apparemment, elle n'est pas ici. Je vais voir dans la cuisine. Elle n'est pas ici. Non. Peut-être. Peut-être dans sa chambre. C'est bizarre. La lumière est allumée. Et le lit, il est fait. J'ai l'impression qu'elle a dormi ici il n'y a pas longtemps. Je vais voir dans la chambre d'amis s'il y a des indices. Pour la retrouver, donc dis-moi où elle est. Là, je suis en train de te contacter, donc tu dois me dire maintenant où elle est. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Envoyé. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, Verity, j'en veux ta grand-mère parce que tu joues jamais avec moi. Donc maintenant, tu vas faire ce que je dis pour retrouver ta grand-mère. Elle a enlevé ma grand-mère juste parce que je veux pas jouer avec elle. Mais non, elle est folle. Oh là là. J'ai une superbe idée. J'ai une superbe idée. Ah oui, 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 je vais la piéger. Ouais, je sais ce que je veux dire. Angela, n'oubliez pas. Attends. Ah. Angela, n'oublie pas que je suis toute seule. Donc, il faut que tu me dises où est ma grand-mère et on pourra faire le challenge ensemble, d'accord? Mais avant, tu dois me dire où est ma grand-mère, d'accord? Envoyé. Elle dit rien là, je vais mieux lui expliquer. Angela, il me faut un partenaire si tu veux qu'on joue ensemble. Envoyé. Tu me rends ma grand-mère et on fera les challenges ensemble, c'est juré. Oh, elle a répondu.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Verity, d'accord, je vais te dire où est ta grand-mère, mais promets-moi de faire tous les challenges avec ta grand-mère. Ok, je vais lui dire, ok. Ok, mais dis-moi où est ma grand-mère hein, maintenant, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond... Ok, Verity, mais promets-moi que tu feras tous les challenges avec ta mamie. Je vais lui répondre. Ok, mais dis-moi et ma mamie, hein, dis-moi. Et on va faire tous les challenges, d'accord? Il me fallait juste un partenaire. Merci. Elle répond. Qu'est-ce qu'elle dit? Ok, Verity, elle est cachée au grenier, mais fais attention aux fantômes! Au grenier? Oh! Il y a des fantômes? Mais comment je vais faire pour retrouver ma mima s'il y a plein de fantômes? Oh, mais comment je vais faire? Ah, mais bien sûr, j'ai mon application anti-fantôme. Je vais la retrouver. Siri, retrouve-moi l'application anti-fantôme. Ah, merci. Bon, voilà, j'ai mon application anti-fantôme qui est prête. Maintenant, je vais monter dans le grenier. On y va. Je lance l'application. Faut faire hyper attention. J'ai l'impression qu'il y a plein de fantômes ici. C'est incroyable. Oh là là, comme j'ai peur. J'espère que ma grand-mère va bien. Oh, c'est quoi ça? Non, rien. C'est pas un fantôme. Faut être prudent, faut marcher doucement. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Translating. Oh my.
Il dit je suis méchant et gentil. Je vais lui demander où est ma grand-mère. Transmitting. Receiving response. Qu'est-ce qu'il dit? Translating. Elle dit, ta grand-mère est là-bas, au fond du couloir à droite. Oh, d'accord. Merci beaucoup, fantôme. Toile. Oh, au revoir, Toile. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une lumière bizarre. Ça te fait rien de grave. Un autre fantôme? Fantôme? Receiving response. Mais je vois pas le fantôme. Translating. Quoi? Ghost signal acquired. Il y a un fantôme quelque part. Attends, là. Oh, il fait trop peur ce fantôme. Oh, regardez. Je vais demander une question. Je vais demander s'il est gentil ou méchant. Transmitting. Receiving response. Translating. Qu'est-ce qu'il dit? Il est méchant? Aïe! Mais qu'est-ce qu'il fait là? J'allais mourir tellement c'était pénible. Oh là là. Attends, je te détache. Verity, dépêche-toi. Je suis mal ici. Il y a peut-être des fantômes. Oh, j'ai horreur de cet endroit. J'ai cru que j'allais mourir. C'est bon. Ah, je suis tellement contente de te voir. Oh oui, mais écoute, moi je suis contente que tu m'aies trouvée. Oh là là. Oh là là. J'ai cru que j'arriverais jamais à sortir de là. C'est pas possible de faire des choses pareilles. Mamie, j'espère que Angela ne t'a rien fait. Tu m'as tellement manqué. Oh oui. J'ai cru que je n'allais jamais te revoir. Oui, c'est ça, moi non plus. J'ai eu très peur. Oh là là, ça fait du bien de se retrouver. Hein. Oui. Oh oui. Je t'avais pas vu depuis tellement longtemps. Attends, ces bruits, tu les entends? Il y a des fantômes qui arrivent. Oui, apparemment, c'est vrai. Vite, oui, vite, oui. Viens, regarde, ils disent qu'il y a des fantômes par ici. Vite, oui, attendez, où ils sont? Oh, ils sont partis. Attends, vite. Oh. Au revoir les copains et les copines. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. À la prochaine fois les amis. Oh.